monde et bienvenue sur la chaîne Ange 14. Aujourd'hui, c'est le tableau menu semaine. Pour celles et ceux qui sont nouveaux, je présente tous les dimanches le tableau menu semaine sous forme de photos pour les recettes pour vous donner l'eau à la bouche. Ce tableau, vous le retrouverez ensuite sur mon groupe Facebook qui est Weight Watchers avec Ange 14. Vous avez le lien juste en dessous la vidéo, comme ça vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur mon groupe Facebook. Là, je le mets tous les dimanches vers 18h à peu près, comme ça vous avez sur ce tableau toutes les recettes, c'est-à-dire du petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Sur ces recettes, vous avez le lien des recettes pour aller chez la blogueuse ou le blogueur en question, et en dessous du tableau, vous avez la liste des courses. Alors ça, si c'est pas merveilleux ça, vous n'avez plus rien à faire à part aller, comme je dis à chaque fois, au supermarché ou faire au niveau du drive. Voilà! Eh bien, commençons par le tableau menu semaine. Alors, commençons par des pommes de terre farcies façon pizza à 9 Smart Points Liberté. Merci beaucoup, c'est de chez Vanda. L'après-midi, eh bien restons chez Vanda avec des amandines au mûres. Ça a l'air trop bon. À 2 Smart Points Liberté la part pour 12 amandines. Le soir, allons sur les recettes wet de Nanette et faisons des blinis de patates douces à 4 Smart Points Liberté, les deux blinis. C'est pas merveilleux ça? Le lendemain, allons sur les petits plaisirs de Doro et faisons des lasagnes aux poireaux et au thon à 7 Smart Points Liberté la part sur 4 parts. L'après-midi, repartons chez Vanda et faisons des petits cakes, oui, aux fibres à 2 Smart Points Liberté la part sur 12 parts. Le soir, partons sur la cuisine de Chanchan et faisons un invisible aux courgettes à 4 Smart Points Liberté la part sur 4 parts. Cette semaine encore, vous avez de la courgette parce qu'il y en a encore beaucoup qui me demandent qu'est-ce qu'on fait avec de la courgette. Alors là, vous voyez, un invisible à la courgette. C'est super bon. Le lendemain, repartons sur les petits plaisirs de Doro et faisons butternut farci façon tartiflette à 8 Smart Points Liberté pour 2 personnes. L'après-midi, eh bien, allons chez Vanda. Et tu m'as fait encore rêver, Vanda. La photo, elle est trop jolie. C'est trop girly. C'est trop beau, en fait. C'est un bavarois aux fraises rhubarbe à 2 Smart Points Liberté la part pour 6 personnes. Vous avez vu comment c'est joli la photo. Le soir, allons sur les petits plaisirs de Doro et faisons un croque-tablette courgette. Voilà, tomate et chèvre. Comment se faire plaisir encore, et c'est trop joli. À 7 Smart Points Liberté par personne pour 4 personnes. Le lendemain, restons sur les petits plaisirs de Doro et faisons des blésotto. Oui, comme un risotto, mais c'est en blé. Blésotto, carottes, bacon, chèvre. À 9 Smart Points Liberté la part pour 2 personnes. L'après-midi, repartons chez Vanda et encore un nom, je ne vais pas savoir le prononcer, je ne sais pas si ça se prononce Quajada ou Quarada. Quarada, poire caramel à 4 Smart Points Liberté la part pour 8 parts. Le soir, repartons sur les petits plaisirs de Doro et faisons une tarte légère poireau, bacon, gruyère à 6 Smart Points Liberté la part pour 4 parts. Et bien le lendemain, restons sur les petits plaisirs de Doro et faisons une quiche, oui, au thon et aux 3 fromages à 8 Smart Points Liberté la part pour 4 parts. L'après-midi, on l'avait déjà fait cette recette, mais franchement Vanda, tu me fais rêver. Et puis voilà, pour les enfants, c'est royal. Et bien, hein, flambi maison, mais même pour nous, c'est royal. À 4 Smart Points Liberté la part pour 4 parts. Le soir, partons sur les petits plaisirs de Doro et faisons une courge spaghetti carbonara light à 7 Smart Points Liberté la part pour 2 parts. Le lendemain, allons sur la cuisine de Chanchan et faisons une pizza. Et oui, pizza, mais pas une pizza comme on a l'habitude d'avoir, une pizza avec de la pomme de terre, râpée à la pomme de terre. Et c'est 5 Smart Points Liberté. L'après-midi, allons chez Vanda et faisons des pastéis, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, des pastéis, des natas à 5 Smart Points Liberté par personne sur 8 personnes. Le soir, et bien voilà, comment faire un repas tout simple, allons sur la cuisine de Chanchan et faisons des galettes de sarrasin. Et oui, voilà, on prend des galettes de sarrasin et on met ce qu'on veut dedans. À 7 Smart Points Liberté. Terminons sur la cuisine de Chanchan avec un gratin aux crevettes à 6 Smart Points Liberté. L'après-midi, repartons chez Vanda et ça avait l'air trop bon ça aussi. C'est des mini gâteaux de Savoie à 3 Smart Points Liberté par personne pour 8 personnes. Et terminons en beauté par chez Vanda avec un
Cheesecake, et eh oui, mais version salée, tu m'as donné trop envie, c'est trop joli aussi là, les couleurs comme ça. Cheesecake aux petits pois et saumon fumé à 6 smart points liberté la part sur 4 parts. Voilà, encore une semaine de rêve, une semaine avec plein de bonnes recettes, faciles, agréables à faire, saines. Et voilà, encore un bon moyen de se faire plaisir. Et quand on se fait plaisir, comme je dis, on maigrit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, c'est de la liker, et oui, de vous abonner, bah oui, ce rectangle rouge juste en dessous. Et si vous avez envie de la partager, bah n'oubliez pas de la partager, voilà. Et puis de commenter, moi j'adore voir vos commentaires, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très belle soirée, ou une très bonne nuit. Je vous embrasse bien fort. Bye!